Alors, bonne ou mauvaise idée, bon, c'est l'éternelle question, mais malheureusement, question sans réponse. Je voulais dire bonne ou mauvaise idée d'avoir choisi ce jeu. Ça, aucune idée. Alors, 6308, jolie remontée miraculeuse sur le précédent jeu. Allez, 4375, on va tester. Alors, un petit bonus d'entrée serait pas mal, dommage. Les petites pierres magiques, toujours à 0 sur 15. Bon bah là d'entrée ça semble pas au top. Alors petite baston, hop. Allez, on va prendre le méchant, hop. Ah non, c'est ici qu'il fallait cliquer. Allez, 10 free games. Alors, quand est-ce qu'on va assister à des bastons entre le gentil et le méchant et des petits jokers des fois positionnés bien comme il faut. Alors, pas une seule baston entre le gentil et le méchant pour le moment. 6 free games de restante. Alors, ça y en est. Qu'est-ce qu'il va nous filer comme joker? Ok, 4 jokers comme ça. Alors, un big win. Un big win. 805, c'est pas mal. Ah ouais, j'avais commencé à 6308, déjà à 6728. Alors, encore une petite baston du gentil et du méchant avant la fin des free games. Ça serait pas mal. Ben non, je crois que là. Alors, dernière free game. Ah, quand même. Alors là, c'est peut-être pas mal. Bon, ils sont mal placés, mais quand même, un big win. J'aime pas trop quand les jokers se placent sur les derniers rouleaux. Alors, combien? 400, 500. Ah, 1207,50, pas mal du tout. Alors, chiffre 8, jolie performance. Bon, ben là, coup de bol, j'ai quand même les free games d'entrée en début de partie. C'est quand même un petit peu rare avec ce genre de jeu. En tout cas, ben, autant en profiter pour se barrer et tester une autre machine à sous. Alors, on poursuit les jeux de machine à sous. Donc, là, retour sur le jeu Jelly Flow, Jellyfish Flow. Ça faisait un petit moment que j'avais pu tester. Bon, c'est vrai que l'arrière-plan de ce jeu, il est pas trop mal. C'est assez bien fait. Enfin, espérons que ça va payer, enfin que ça va être aussi généreux que le jeu précédent, c'est-à-dire les bonus d'entrée seraient pas mal. Alors 26, 25, 52, 50. On va quand même commencer la partie à 37, 50. Allez, c'est parti. On va pas trop s'enflammer d'entrée. Alors d'entrée, on a l'option rouleau supplémentaire. Alors 50 balles de win. Ok, pas grand-chose. Bon, c'est clair que celui-là de design de jeu, il est quand même assez space, comme je disais en début de partie, là. Une fois de plus, les programmeurs, ils ont pris de la bonne. Alors 300 de win. Alors, est-ce que ça vaut le coup de tenter des mises un peu plus élevées? Mais c'est quand même un peu flippant quand on se tape des séries de spins perdants. Allez, tentative, 52-50 le spin. On note quand même que ça part très vite, 7271, j'avais commencé la partie à 8006.
Alors, big win, big win. Alors, 200. 300. Vas-y, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Alors, 500. Ça dépasse les 600 balles. 630, ok. Alors, des fois, je me fais avoir. Après le big win, je baisse les mises. Et puis, un deuxième big win. Donc, là, je vais rester sur des mises à 52,50. Ouais, le design hyperspace de ce jeu. Là, comme je disais, les programmeurs ils ont pris de la bonne. Filez-moi-en, j'en veux. Parce que là, apparemment, c'est des trucs qu'on connaît pas. Alors, ça y est, c'est parti. J'espère que ça va raquer. Voilà, tant que la méduse se barre pas en haut, il y a des cases en plus. Alors, 98. Alors là, elle va se barrer. Si on n'en a pas une autre qui réapparaît, c'est la fin de ce petit bonus. Ah, big win quand même. Ok. Alors, je suis curieux. Ok, 945. Pas mal, pas mal. Alors, 8604. Bon, on va quand même baisser un peu les mises. Oh! Ok, j'aurais peut-être pas dû baisser les mises, mais bon, on va pas se plaindre. Alors, ça, je pense que ça va raquer. J'ai plus trop en mémoire si c'est un high ou un low symbole, mais quand même, 9 symboles identiques, je pense que là, ça risque d'être sympa. Ouais, 472,50, ok, j'aurais espéré éventuellement un petit peu plus. Et ouais, les symboles, hop! Alors, 8877, j'avais commencé à 8006. Ce serait peut-être temps d'arrêter la partie, mais bon, on va... Quand même. Alors, 450, donc voilà, je pense que c'est arrêt de partie. Allez, chiffre 9, 9289. Bon, on va dire au revoir à la Jellyfish Flow, la machine à sous AC Space. Autant profiter de ces multiples big wins pour se barrer. Hein. Bon, bah, joli bénef, 8006 de départ, 9289, donc... Un peu plus de 1280 balles de bénéf, c'est franchement pas négligeable. Allez, next. Allez, let's go, direction le Arcane Elements. Jeu qui paye des fois et qui paye pas des fois, ça on connaît très bien la musique. Coin level, ouais, le max 6 c'était 25. Allez, 62,50. Allez, tester des mises à 35, on va voir. Ouais, celui-là aussi, il est assez space comme design de jeu, mais bon, c'est pas mal. Alors là, on a les scatters pour les free spins. Voilà, 3 scatters, ça envoie le bonus. Espérons que ça tarde pas trop. Je sais pas pourquoi, mais là, j'ai l'impression que ça risque de tarder quand même. Alors, hop. Tentative mise à 50. Bon, c'est clair que la balance elle a bien remonté sur les précédents jeux, mais ce serait dommage de tout se faire cramer. Alors 62 win. Allez, 62,50 la mise, on va essayer.
Alors 250. Bon, j'avais quand même commencé à 9289, 8816 actuellement. Alors le bonus, on voit un ou deux scatters par-ci par-là, mais on attend les trois à la fois. Alors le troisième, ce serait pas mal. Bon, ça m'étonnerait qu'il monte sa phase, ben non. Alors mise 25. Alors on passe sur des mises à 35. Alors du big win, une balance à 5 chiffres, ça serait pas mal. Ça va pas être gagné, mais on peut pas prévoir le résultat de ce jeu. Alors arrêt de rouleau, rien, pas troisième scatter malheureusement. Les jokers aléatoires, ils sont pas placés au top. Alors le spin chance, version 1. Oh dommage, dommage, dommage. Version 2. Ouais, 12,50 de récupérer. Là c'était un diviseur par 10 par rapport à la mise, ici rien. Alors 7765. Moi, je vais quand même pas mettre en tête de partir à la chasse des 3 scatters, car s'ils sortent pas, je me connais, je vais avoir tendance à vouloir pousser la partie, puis éventuellement la balance elle se ferait déglinguer, donc je vais pas mettre cet objectif en tête. Bon, malgré le fait que ce soit un petit peu le but de la partie, de pécho les 3 scatters. Bientôt le chiffre 6. Alors, une petite faveur peut-être. Eh ben non, un leurre dans ta face. 1875 de l'autre consolation. Bon ben quand même là. Hop. Ouais, je vais réduire les mises à 35 parce que c'est bien dommage. J'étais monté à 9289, 6855 actuellement. Alors, encore un double leurre, pas de free spin, 0 big win pour le moment.
Allez, spin chance, round 1. Alors, round 1, hop, rien, round 2. 37,50 récupérer, round 3, dernier round. Ok, c'est la faute à pas de chance. Et ouais, les spins en mise maxi, quand ça paye, mais quand ça paye pas, ça met une bonne claque à la balance. Allez, chiffre 5. Voilà, après les belles remontées sur les précédentes parties, là c'est... C'est venu le moment de la redescente. Oh, premier big win. Alors, combien? C'est des mises à 35. Ouais, 388,50, pas énorme. Oh, re-big win, 952, c'est un petit peu mieux. Ok, deux big wins d'affilée. Alors, chiffre 7, is back. Oh, re-big win, 360. Alors, on va quand même tenter, hop, une petite montante, on sait jamais. Alors 35 de récupérer, allez un spin en mise max, pas de bol. Allez un petit joker, non pas de petit joker, dommage. Allez, la montante round 2. Alors 105 ici. Alors 106, 25. Pas au top la montante, mais bon, ça peut aller. Alors, ça sent le double leurre dans ta face. Eh ben ouais, comme par hasard. Alors, on va retester la montante. Spin 87,50. Hop, 17,50 de récupérer. Spin à 125. Voilà, totale perte. Alors les free games, celles-là je les avais oubliées, ce serait sympa si les trois symboles se manifestaient, mais j'ai l'impression que ils ont pas l'air chaud patate pour se montrer. Alors, arrêt de rouleau, et voilà, enfin il était temps. Alors les free games, mise à 35, c'est parti, bon bah après ça, ce sera
sera changement de jeu, espérons que ça va raquer. Alors, l'eau, le feu, la terre ou l'air. Hop, alors on va prendre la terre. Alors, espérons que ce soit un bon choix. Alors, on va prendre l'air. Alors, la terre et l'air, on va voir. On a deux jokers aléatoires de distribuer. Alors, 8 free spins de restant. Ah, pas mal. 4 jokers, big win à 686. Bon, j'avais quand même commencé cette partie à 9289, donc ça m'étonnerait que je puisse remonter à ce niveau-là, mais bon, on va voir. Tout dépend de ce que le jeu va filer. Alors, un joli big win monstrueux, ça serait pas mal. Alors, 4 free spins de restant. Voilà, pareil, avant de gagner les free spins sur ce jeu, il a fallu jouer quand même pendant une plombe. Allez, 2 free spins de restant. Balance du joker aléatoire bien placé là où il faut. Non, pas au top. 3,50 de win. Allez, un ici. Ah, parfait. 525. Alors, 1424,50 de win, 1949,50. Ok, bon bah c'est pas trop mal, mais quand même, je dépasse pas la balance départ qui était de 9289, là je termine à 8500. Enfin, ça aurait pu être pire. Allez, go, le prochain. Allez, direction le jeu de la maison hantée, le Haunted House, c'est pas un jeu qui est top niveau design, mais bon, il est pas trop mal. Des fois, il m'a filé des petits wins sympas. Alors, hop. Allez, ouverture du jeu avec des mises à 25. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Là, hop. 3 triggers fêtures. L'appât belle est double, à double les prix. Allez, un troisième d'entrée. Ça aurait été miraculeux. Allez, petite montante improvisée. Alors, pas de bol sur la montante. Spin à 125. Pas de bol non plus. Ouais, 17,50 de récupérer. Ça, c'est les montantes qui coûtent cher. Alors, la pas belle qui double les prix. Hop, 325. Allez, 43,75 la mise. Ok, pas grand chose sur les mises à 43,75. Alors, 7561.
Allez, un petit troisième pour le bonus. Un dommage. Allez, 125 le spin round 1. 65 de récupérer, round 2. Rien et round 3. Et ouais, 50 balles de récupérer, pas de bol. Ok, ouais, franchement, c'est pas gagné. Hein. Alors, un petit coup d'œil par là, 6860. Alors, rouleau 3, rouleau 4, rouleau 5. J'espère qu'il va pas me balancer un triple leurre dans la face et pourtant. Eh ben non. Il a raqué le troisième sur le dernier rouleau. Alors, free spin à 43,75 la mise. Espérons que ça raque. Alors, deux ghosts s'arrêtent. La fêture. Espérons qu'on n'ait pas un ici. On va prendre celle-là. D'accord, un ghost. J'espère que je vais pas en pêcher un deuxième. Alors on va faire un tour par là. Alors, qu'est-ce qui va nous sortir? Eh ben ouais, le ghost et 3. Ok, 12 free game. Alors j'espère que ça va renflouer les crédits quand même. Alors, le big win qui va bien. Oh, un petit retrigger. Oh, un petit retriller. Alors, niveau win, 392. On n'est même pas sur un x10 par rapport à la mise. 7 free games de restante. On a dépassé le x10 par rapport à la mise, mais c'est pas énorme quand même niveau win. Allez, un petit big win avant la fin des free spins. 4 free games de restante. Ah, la pas belle qui double les prix. Alors 350. Allez, 2 free games de restante. Ouais, 1015 de win. Voilà, la dernière free game. Ok, 1015. Alors, on remonte à 7728. J'avais quand même commencé cette partie à 8500. Donc, le bénéf is pour the casino. Espérons que ce soit mieux sur le prochain jeu. Allez, c'est parti. Retour sur la machine à sous Eisushi. Donc là, j'ai réglé un petit peu le logiciel de capture des vidéos. Car on voyait pas très bien les mises ici, situées en dessous. Alors, 7728, c'est la balance à faire fructifier. Allez, 31-25, ça ira pour commencer. Bon, bah celui-là, jeu de machine à sous, comme beaucoup d'autres. La première fois que je l'avais testé, ça avait été hyper généreux. Les parties suivantes, c'était un petit peu plus complexe. Alors un petit troisième scatter, d'entrée serait miraculeux. Oh quand même, quand même, quand même, allez c'est parti. Alors mise à 31-25, on va voir ce que ça va rapporter. Ah
Alors, Instant Twin 125. Alors, 7 free games de restant, 6 de restant, 218, 75 de win. Oh! 3 jokers, triple joker. Non, 4 jokers même, enfin je veux dire 3 sur cette lignée. Alors, 475. Alors, s'il pouvait avoir encore un petit peu de win, là on a 700 de win pour le moment. Ah, x4. 4 symboles identiques, instant win 125 et big win de 437,50. C'est pas mal. Allez, dernière free game. Bon, ben voilà, vite fait, bien fait. Ça, c'est les scénarios de machine à sous qui sont assez sympas, c'est-à-dire les free games d'entrée, ce qui est bien sûr. Plutôt rare. Alors, le verdict, j'avais commencé à 7728. 8628, 900 balles de bénéf, donc autant se barrer, puis enquiller sur une autre machine à sous. Allez, go. Donc, je préfère quitter le jeu ici après les free spins plutôt qu'éventuellement continuer. C'est peut-être un peu plus sale. Allez, go sur le Black Bears Bounty. Bon, c'est comme d'hab, jeu qui paye des fois, jeu qui paye que dalle sur d'autres parties. Alors 31-25, allez go. Alors le corbac d'entrée, un joker, un rouleau 5 pas très bien placé. Alors on va se taper une montante d'entrée, ne sait-on jamais. Alors le corbac, joker, rouleau 1, 0 win. Allez, mise à 125, spin ultime. Ok, 75 de récupéré. Alors pile ou face, soit les free spin ils se montrent rapidement, soit il va falloir jouer pendant une plombe. Ouais, idem pour les big wins. Alors le corbac, 2 jokers, rouleau 3, rouleau 5, malheureusement 0 win. Bon bah avec toutes ces parties, je sais pas si je vais arriver à retrouver une balance à 5 chiffres, mais bon on va essayer. Au bonheur la chance, au bonheur pas de chance. Je croyais qu'il allait lâcher un deuxième joker sur le rouleau 1 ou le rouleau 3, mais non. Et ouais, 21 balles avec le joker. Allez, une petite montante. J'ai vu le premier scatter, je me suis dit, tiens, peut-être que... Mais non, faux espoir. Alors, Mister Corbac. J'y crois pas, spin à 125, il me balance un joker, 0 win. 0 win, 0 win. Allez, je vais rester un petit moment sur des mises à 62,50. Allez, lâche un petit deuxième joker. Ok, parfait, rouleau 2, rouleau 3. Alors ça c'est pas mal. Ah bah le corbac il est chaud patate, allez rouleau 3. Ah ouais, joker rouleau 5, c'est quand même rare de se taper du win avec ça.
Allez, rouleau 2. Ah non, un seul joker, rouleau 4. 0 win. Alors, double joker, hop. Allez, la petite montante qui va bien. Espérons que Madame Chance va être de notre côté. Ça va pas être gagné. Alors, 87,50. Win, 17,50. Ah, double joker. Big win. Sur le spin à 125, c'est pas mal. Alors, 1500. Ok. Hop. Alors, on remonte à 8228. J'avais quand même commencé cette partie à 8628, donc pas de bénéf pour le moment. Hop, non, c'était pas ça que je voulais faire. Voilà, mise à 43,75. Alors, l'éternelle question, quand est-ce que le jeu il va raquer ses 3 squatters? Question malheureusement sans réponse. Ok, bah les squatters, on en voit un par-ci, un par-là, mais ils n'ont pas l'air d'être très présents quand même. Allez, l'heure de la montante est venue. Alors, spin à 125, rien. Ok, 75 de récupéré. Allez, round 2. Bah, rien pour le round 3, malheureusement. Alors quand même, 6858, ça dégringole. Alors le troisième, est-ce qu'il va nous le raquer? Qu'il va nous faire, j'imagine, un leurre? Eh ben non, il n'a pas fait de leurre. Allez, 62,50, les free games. Let's go pour que ça raque du lourd, espérons. Allez, c'est quand même à 62,50, donc ça devrait payer en conséquence. Allez, me file pas des cacahuètes, file du big win. Allez, hop, 8 free spins. Ouais, pour le moment, 407 de win. Allez, lâche deux jokers, deux jokers, deux jokers, ben non, un seul. Ah, un deuxième. Ah, les callbacks. Ligne est complète. Il s'est pris dans la ligne de paiement. Alors, 827,50. Et ouais, 5 core back, hop, 827,50, allez go. Alors un petit retrigger, ça ferait pas de mal non plus. Allez, deux free spins de restant, un petit big win peut-être avant la fin. Ouais, 22,50 avec les deux canons. Ok, c'était le dernier spin, donc 1257,50 de gagné. Alors, le verdict, on remonte à 8073. J'avais quand même commencé la partie à 8628, donc le casino est le grand gagnant. Bon, en tout cas, après ça, c'est comme d'hab, les free spins, on se barre et on enquille sur un autre jeu.